Salut, c'est Ophélie dans l'épisode 2. Aujourd'hui, on va vous parler de la paix. Je vais vous parler de la persévérance. La persévérance, c'est quoi? La persévérance? Je ne comprends rien de ce qu'elle raconte. La persévérance, c'est quelque chose que, mettons, dans ta passion, tu vas faire une roue sans main, comme moi. La première fois que j'ai essayé ma roue sans main, ça ressemblait à une roue. En tout cas, moi, ça me tente pas de persévérer. Je l'ai une fois, ok, mais si je l'ai pas, ça me tente pas. Une chance qu'on finit la pratique, sinon je sais pas comment elle ferait. Elle pourrait pas danser ou faire ce qu'elle veut. C'est pour ça qu'il faut persévérer. Quand tu veux faire quelque chose, t'as un but. Ok? Puis pour atteindre ton but, là, okay? C'est comme labyrinthe. Pour atteindre ton but, dans le sens du labyrinthe, pour avoir ton trésor. Ton trésor, c'est ton but. Puis pour avoir ton but, il faut que tu persévères. La persévérance, c'est, mettons, tu tombes, mais tu vas te relever. Tu vas pas te tanner. Oh non, tomber! Ça s'appelle du chialage. Chialage, là, c'est zéro dans la tête. C'est tolérance zéro quand tu fais de la persévérance. Pour persévérer, il n'y a pas de chialage. Sinon, ça s'appelle persévérer le char. J'essaie de mélanger les deux mots ensemble, mais ça se mélange pas. Ah! Puis si là, tu mélanges là, du travail, plus de l'effort, plus de la persévérance, ça va donner, en tout, ça se mélange. Tu sais, là, tu peux mettre ça là, dans un bol, là, tu mélanges, puis là, ça va te faire un gâteau. Puis dedans, quand tu vas couper, il va être écrit succès. Aujourd'hui, la clé du succès. Travail plus, effort plus, persévérance égale succès. Pour avoir du succès, faut que tu aies 90% de travail, 90% d'effort, puis faut que tu aies 10% de talent. Quelle drôle d'équation! Parce que sinon, là, tu vas te fier juste à ton talent. Non! Parce qu'il y en a là que eux, ils vont persévérer pendant que toi, tu vas t'asseoir de même en regardant la télé. Eux, ils vont travailler. Puis toi, tu vas faire. Faut que j'aille avec du premier coup, sinon ça me tombe pas de travail. Bon, on va regarder quoi là? Une chance qu'Ophélie, elle persévère. Parce que la pensée négative, elle veut tout le temps faire le contraire de ce que je dis. Ce qui est important pour le succès, c'est de persévérer et de travailler surtout. Juste un dernier mot de la fin. Si vous persévérez, ben, ça va vous amener à tout dans la vie. Puis le travail aussi va vous aider dans la persévérance. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime, abonnez-vous, écrivez-moi un message. Votre passion, manquez pas surtout pas l'épisode 3. Peace guys, à la prochaine!